Au Burkina Faso, le procès de l'assassinat de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons s'est ouvert le lundi 11 octobre 2021 dans une ambiance plutôt apaisée. En l'absence des principaux accusés, notamment l'ancien président Blaise Compaoré, 70 ans, exilé en Côte d'Ivoire depuis 2014, et Hyacinthe Kafando, les 12 autres inculpés, dont le général Diendéré, ont répondu présents à la barre. Un tribunal prêt pour dérouler le procès est formellement constitué. Un début de procès enfin effectif et dont se félicite le journaliste écrivain Jean-Hubert Bazier, ancien compagnon du père de la révolution burkinabé Sankara. Il y a eu trop de mensonges, il y a eu beaucoup de vérités partielles. Mais je crois que cette vérité-là, aujourd'hui, même si elle est partielle, par le fait qu'il y en a qui refusent de venir comparaître, cette vérité sera complétée par le temps et permettra aux gens de mieux vivre ensemble. 6 juges militaires, dont 3 titulaires et 3 suppléants, ont été retenus pour porter assistance au juge civil Urbain Méda, président du dit tribunal, lors des audiences. Pour une première journée, des centaines de Burkinabés ont fait le déplacement de la salle des banquets où le procès a été délocalisé. Parmi eux, des parents de victimes, mais aussi des témoins, à l'instar de Salam Kamoré. Moi, je suis un Burkinabé moyen, je n'ai pas d'inculpé dans ma tête. Je viens pour avoir la quintessence de ce procès, pour savoir qui a fait quoi tel jour et qu'est-ce qu'il va avoir comme peine. Cheville ouvrière de ce procès, le mouvement Le Balai Citoyen était aussi représenté à l'ouverture de l'audience. L'un des membres fondateurs du mouvement, en l'occurrence Sam Skaludia, dit attendre beaucoup du dénouement de cette affaire. Il n'y a pas de pression, on n'est pas pressé. Voilà, si nous on meurt et que l'histoire peut permettre à nos enfants de savoir qu'est-ce qui s'est passé le 15 octobre 1987. Voilà, c'est ça le plus important. Avec 60 témoins devant comparaître et 20 000 pages de pièces à consulter, c'est un procès qui pourrait durer des mois. Suspendu plus d'une fois après son entame, l'audience reprendra le 25 octobre 2021. Question pour les parties de permettre aux avocats de la défense de prendre davantage connaissance du dossier.